Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie où Franck Debourg, le coach de l'Inter, est fini selon le Corriere dello Sport. Après une nouvelle défaite hier soir sur le terrain de la Sampdoria, le club interiste aurait décidé de remercier son entraîneur. La nouvelle devrait être officielle dans la semaine et pour le remplacer, il y a quatre noms, Leonardo, Stefano Pioli, Francesco Guidolin et Laurent Blanc. En Angleterre, le club de Manchester United s'apprête à perdre un jeune espoir du club. Ángel Gómez, le milieu offensif d'origine portugaise, n'a que 16 ans, mais serait déjà dans le viseur du FC Barcelone, selon les informations du Manchester Evening News. Par ailleurs, Gómez n'est autre que le cousin de Nani. À la une de la presse anglaise ce matin, on retrouve une nouvelle fois José Mourinho et ses problèmes. La fédération anglaise voudrait encore sanctionner le coach portugais après son mauvais comportement envers un arbitre ce week-end. Il pourrait regarder le prochain match de son équipe depuis les tribunes. Dans le Sun du jour, c'est Lionel Messi qui a accordé une petite interview au tabloïd. Dans celle-ci, il explique notamment qu'il n'y a pas d'ego dans les vestiaires barcelonais. Ni lui, ni Suarez, ni Neymar, et c'est pour ça, selon lui, que le Barça joue à ce niveau. Gareth Bale, de son côté, a signé un nouveau contrat au Real Madrid, et le quotidien britannique sort les chiffres, c'est un véritable jackpot. Le Gallois va toucher près de 400 000 euros net d'impôts par semaine, avec une clause libératoire hallucinante, fixée à 1 milliard d'euros. Le Mirror en profite pour signaler que Bale est désormais le joueur le mieux payé du Real Madrid, devant Cristiano Ronaldo, tout en sachant que le Portugais attend lui aussi une proposition de la part de son club. Il n'y a personne de mieux que Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'Or. Cristiano a connu une année merveilleuse. Ce sont les mots de Sir Alex Ferguson qui font la une du quotidien Marca. Et on termine par le journal Sport qui affiche Samuel Umtiti aujourd'hui. Le Français fait un carton depuis son arrivée au Barça. Pour preuve, le journal clame tout simplement Umtiti titulaire. Le défenseur français est considéré comme la meilleure recrue de la saison du FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.